Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 11 novembre 2020 et c'est jour férié. Et mon chéri est parti travailler. Mes racines repoussent et je ne peux pas aller à la coiffeuse parce que les coiffeuses à domicile n'ont pas le droit de travailler pendant le confinement. Donc ça daille. Je me suis maquillée un peu aujourd'hui avec les fards à paupières Bloom de Max & More que j'ai acheté à Action pour 4 ou 5 euros. Hop, hop. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Donc, je voulais vous montrer les couleurs qu'il y a dans cette palette Bloom. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Ça y est, j'ai réussi, miracle. Donc voilà les couleurs. Moi j'adore les couleurs marron pour mes paupières. Voilà. Hop. Donc en rouge à lèvres, j'ai mis ce petit soin des lèvres teinté nude de Velleda que j'ai eu en cadeau avec un magazine il y a quelques temps. Voilà. En fond de teint, j'ai mis ce fond de teint par By Pierry, couleur 4 rosy beige. C'est un fond de teint stick, couvrance et éclat. Nude Esper. Voilà. Voilà. En mascara, j'ai remis le Sexy Pulp d'Yves Rocher. Et c'est toujours mon petit crayon noir cool, colle, comme on pourrait dire, que je mets d'habitude. Voilà, que j'ai mis aux yeux. Bon, il a un peu coulé, mais bon, ce n'est pas grave. En ce moment, je fabrique des petits porte-clés avec des petits pingouins. Voilà. Et voilà. J'adore faire ça m'occupe. Et j'aime bien coudre et créer, voilà. Comme je vous l'avais déjà dit. J'ai fait également deux petites chouettes pour faire les porte-clés, mais il faut que je commande d'autres porte-clés argentés à butinette bientôt parce que je n'en ai plus. Cet après-midi, le soleil est revenu, mais bon, il fait un peu frais dehors, voilà. Donc je suis à l'intérieur, confinée, confinée, confinée. Donc c'est ce vendredi matin, dans 2 jours, que je vais passer mon premier scanner pour voir si j'ai un kyste ou plusieurs kystes sous les dents. Parce que ça serait soit ces kystes ou soit les médicaments que je prends qui me font perdre les dents. Donc je stresse un peu, mais bon, voilà. Je garde espoir et courage. Et comme on dit, la suite au prochain numéro. Je viens de baisser un peu le volet parce qu'il y avait trop de soleil et ça m'éblouissait un petit peu pendant que je vous filmais la vidéo. Voilà, donc là, ça va mieux, j'ai l'impression. Cela fait un peu plus de 8 ans que j'ai arrêté de faire de la politique. Oui, j'étais militante politique. Je sais, c'est étonnant, mais c'est comme ça. On a tous un passé, et voilà. Et donc, j'ai démissionné parce que je savais bien qu'ils allaient perdre les élections. Voilà. Donc, moi, je rêvais d'être un jour élue à une certaine élection, mais bon, ça ne s'est pas fait. Parce que c'est un peu
trop long à raconter, voilà. Donc j'ai préféré laisser tomber la politique. Et voilà, pour me protéger, et voilà. Et maintenant, j'apprécie ma vie, tranquille, tranquille. Même si j'ai peu d'amis, c'est des vrais amis. Et voilà. Je sais, il faut toujours croire en ses rêves. Et voilà. Mes rêves ont changé, ont évolué. Et j'espère les réaliser un de ces jours. Voilà. Et il faut que j'arrête de dire voilà, parce que tout le temps, voilà, ça ne va pas. Voilà. Donc, j'ai toujours beaucoup d'ambition en moi. Même si je ne montre plus mon ambition. Parce que le fait d'avoir été trop ambitieuse dans le passé m'a révélé que j'avais plus d'ennemis que d'amis. Ou alors c'était des faux amis. Voilà. Mais bon. Donc, je vais finir ce petit vlog là. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner. Et gardez courage et espoir pour le confinement. À bientôt. Au revoir.